C'est lors d'une conversation sur Facebook que le ton est monté, mais c'est dans le lycée, dans ce local à vélo précisément, que l'agression a eu lieu. Vendredi, un jeune de 15 ans, élève de seconde générale du lycée Blaise Pascal, a été agressé par des élèves inscrits dans une autre seconde en filière technique parce qu'il avait revendiqué son attachement aux valeurs du mouvement « Je suis Charlie ». Pour le proviseur de l'établissement, l'incident est grave. En plus des poursuites judiciaires déclenchées par une plainte du père de la victime, il y aura aussi des sanctions disciplinaires. Alors tout d'abord, l'aspect juridique est aussi déclenché par l'établissement, hein, puisque nous sommes en relation avec le procureur de la République via la direction académique de l'Indre. Et puis alors, chose complètement séparée, ce sont les sanctions disciplinaires qui tombent évidemment tout à fait naturellement face à un fait comme cela. Les sanctions disciplinaires seront prononcées par le conseil de discipline de l'établissement. Ce conseil qui aura lieu d'ici une semaine concernera trois élèves qui ont été identifiés et qui ont reconnu les faits selon le proviseur. En attendant, deux d'entre eux ont déjà été mis à pied à titre conservatoire. Dans un but préventif, la direction de l'établissement annonce aussi que la semaine prochaine sera celle de la citoyenneté. Les 1100 élèves du lycée participeront à des discussions sur le thème de la République et du vivre ensemble.